Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, podcast de préparation, dernier podcast avant le grand jour, avant le départ pour New York et la traversée des États-Unis en vélo, en relais, sans étape, en 8 jours. I see you over there clown walking. Keep it up, man. You got your wobble on. L'histoire, vous la connaissez tous, elle a commencé en novembre dernier avec Christian et la création de l'association Locan Experience qui a pour but de vous montrer que difficile n'est pas impossible et que c'est juste moins évident que facile. Comme premier défi, on s'est fixé quelque chose de volontairement très difficile, à savoir la traversée des États-Unis en relais sans étape sur 8 jours. Ça fait donc à peu près 5000 km en 8 jours, ça fait à peu près un 25-26 km/h de moyenne. Donc il va falloir qu'on tienne ça sur 8 jours, non-stop, c'est-à-dire qu'on roule la nuit, le jour, on fera des relais de 3 heures, donc chaque cycliste roule 3 heures, pendant les 3 heures, l'autre dort derrière dans un camping-car avec tout un staff, il y a Mathieu qui est kiné, il y a Aurélia qui est sage-femme, mais personne ne compte accoucher, donc bon, et il y a Aurélia David conduira le camping-car, et Mathieu sera notre masseur, kinésithérapeute, ostéopathe, tout ce qu'il faut bien pour nous remettre en forme après des relais assez éprouvants. On part donc lundi matin, nous sommes samedi au moment où je vous fais cette vidéo, et le stress n'est pas là, bizarrement. La semaine dernière, j'étais une boule de nerfs, et là, il y a d'autres petits trucs qui se rajoutent à ça d'un point de vue personnel. Sinon, tout va bien. Donc, je suis en train de faire mon sac, de faire les deux sacs. Le sac, les valises sont prêtes déjà avec les vélos dedans, c'est Christian qui s'en est occupé. Je suis en train de faire donc le sac avec toute notre partie textile, que ce soit le textile de vélo ou le textile civil, entre guillemets, pour la seconde semaine de retour. Plus le petit sac à main dans lequel je mettrai le bagage à main, parce que sac à main ça fait bizarre. Le bagage à main dans lequel je mettrai le MacBook, les Nex, les micros, les disques durs, etc. Tout le support de stockage, tout ce qui est fragile et que je ne veux pas faire partir en soute, parce que c'est aussi tout ce qui coûte cher. Donc, comment ça va se passer? On arrive lundi à 14h heure locale à New York. Aurélia arrive à 15h, ou on arrive à 14h50, elle arrive à 15h50, je sais plus, enfin bref, une heure de décalage. Le soir à 23h50 arrive David, tout frais guilleret. Mathieu, qui s'est trompé de jour, arrive mardi à 23h50, ça tombe bien puisqu'on comptait partir mercredi matin de très bonne heure, donc sur les coups des 2h du mat, on attaquera le relais. Mardi dans la journée, moi je serai allé chercher le camping-car avec Aurélia qui se trouve à Roselyne, bien au-dessus de JFK, donc on partira en taxi, on reviendra en camping-car, on ira faire les courses, remplir le camping-car avec tout ce qu'il faut dedans. Que ça soit la bouffe, que ça soit le matériel spécifique qu'il peut y en avoir, des GPS par exemple, on compte prendre deux GPS aux États-Unis pour pouvoir se suivre avec le vélo sans trop de problèmes. Et ensuite mercredi matin on attaque la traversée et j'espère que jeudi dans la journée on sera arrivé à Los Angeles pour finir ce défi et pour établir normalement un nouveau record. Donc c'est pas le but du jeu, le but est réellement de finir. Si on fait un record, tant mieux, ça sera jackpot, mais c'est pas le but premier. Quoi vous dire de plus? Je vous rappelle que si vous voulez nous suivre, il y aura bien entendu un compte rendu quotidien. Alors je vous garantis pas que le quotidien ça soit à l'heure française à 21h que vous ayez un truc, ça sera plus à l'heure américaine. Donc dans la journée, chaque jour il y aura 3, 4, 5 photos dans un billet avec un petit article qui sera écrit par Aurélia et qui vous racontera de son point de vue tout ce qui se passe dans le camping-car. Ça sera pas mal, ça va apporter une petite touche extérieure justement, puisque moi je suis sur le vélo, Christian aussi, donc on s'est mis dans une... il va falloir qu'on se dans une optique de robot, c'est-à-dire que je passerai les consignes en début de semaine, il faut faire ça pour le site, pour le film à venir, etc. Je délèguerai tout ça aux autres, parce que si je dois me concentrer sur le vélo et le blog, ça va pas le faire. Donc Aurélia qu'on s'occupera de rédiger un petit article quotidien, de vous mettre quelques petites photos sur la galerie Flickr qui seront également aussi reprises sur le blog. Il y aura des petits tweets de temps en temps. On a normalement l'hôtel au wifi, hein, le wifi à l'hôtel quand on arrive à New York. Donc on pourra vous faire un petit compte rendu un peu plus détaillé. Je pourrai vous faire un petit compte rendu un peu plus détaillé en arrivant. Et puis c'est tout. Donc ensuite, je me permets de vous rappeler encore une fois que si vous voulez faire un don à l'assaut de 10€ pour recevoir le double DVD avec en Full HD 720p, je dis que des conneries aujourd'hui, pour recevoir le double DVD donc avec le film en 720p, tous les bonus, des photos, etc., vous pouvez sur la page store.locan.fr, il y a en bas la possibilité de faire un don de 10€ pour recevoir le DVD. N'hésitez pas, je rappelle que les finances sont pas au beau fixe, donc ça serait cool.
si vous l'avez pas déjà fait, parce que vous êtes beaucoup à nous avoir soutenus, et merci encore. Et puis voilà, c'est tout, grosso merdo, donc je fais pas plus long, moi j'ai un petit sac à finir, une grosse sieste à faire, parce que je travaille quand même ce week-end, Christian aussi, Aurélia aussi, et qu'on part lundi, donc ça va être compliqué, enfin ça va être fatigant je pense. Donc voilà, autant engranger du sommeil dès maintenant, je fais pas plus long, c'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne journée, un bon week-end, et nous on part lundi pour ce truc de psychopathe. À très vite, ciao. I see you over there clown walking.